Khalid al-Abbas, reporter of Syrian news TV channel, is martyred at the hands of terrorists in the Al-Aqsa countryside. The Syrian Union of Journalists TV announced the death of Khalid al-Abbas, who was shot dead by terrorists near Al-Daba airport in the Al-Aqsa countryside in Homs. May her soul rest in peace, and may her relatives and family be granted patience. قواتنا المسلحة ما زالت مستمرة في التصدي لهاللحون، هي محاولات فاشلة من قبلهم للقول وللزعم بأنهم يستطيعون. That was the last report prepared by our colleague martyr Yara Abbas, and it was aired at Al-Ikhbariya News Station. Yara, who accompanied the Syrian Arab Army for coverage of their victories and to reveal the criminal nature of Jabhat al-Nusra and their Ilk Takfiris, was known for her courage to be always in the forefront. Despite her injury in Aleppo, Yara, so devoted to her country, insisted on continuing her career, uncovering the savage acts of the terrorists. Meeting the residents of Al-Qusayr, Yara recognized the reality of the terrorists who killed many citizens and destroyed their town. She also experienced the will of the Syrian Arab Army soldiers who insisted on eradicating terrorism. Yara on the ground conveyed the truth and expected the defeat of the terrorists, who in turn were afraid of Yara and her comrades. They ambushed the team of Al-Ikhbariya at the village of Al-Daba and opened fire on the car that carried them. Yara fell a martyr, and the two cameramen, Osama Dayoub and Badr Awad, were injured. Yara's reports and her voice remained to reveal the terrorists' ugly crimes. Minister of Information Dr. Omran Zabi condemned the killing of the journalist Yara at the hands of the terrorists, saying that Yara was not the first Syrian journalist who was killed at the hands of the terrorists, hoping she will be the last one. He expressed sorrow for losing a brave, hard-working correspondent who was well known for her devotion and her great love to her country. La journaliste Yara Abbas de la chaîne syrienne Al-Ikhbariya, victime des terroristes à Al-Aqsa. Yara Abbas, l'Union des Syriens a déclaré que la correspondante sur place de la chaîne Al-Ikhbariya Al-Aqsa est tombée en martyr pour la nation. Yara Abbas a été tuée pendant qu'elle assumait son devoir professionnel et national près de l'aéroport de Daba, aux alentours de la ville d'Al-Aqsa, dans le gouvernorat de Homs. L'Union des journalistes a souhaité le miséricorde à Yara Abbas et le courage et la patience à sa famille, ses collègues et ses proches. La journaliste syrienne Yara Abbas a accompagné partout l'armée arabe syrienne dans ses missions antiterroristes. Le dernier rapport sur le terrain, préparé par Yara et ses collègues, a révélé des situations nouvelles et a couvert les victoires de l'armée dans sa lutte contre le terrorisme. Le travail de Yara et son équipe a révélé la nature des terroristes à tous les publics. Cette journaliste a dévoilé la criminalité des terroristes. Al-Ikhbariya et ses journalistes ont toujours été au premier plan sur le terrain dans les missions de l'armée. Yara, en dépit de ses blessures à Alep, a insisté à reprendre ses reportages sur le terrain. Les terroristes ont attaqué la voiture de l'équipe télévision Al-Ikhbariya, car cette chaîne a présenté objectivement ce qui se passe réellement sur le terrain. Le terrorisme avait peur du fait que Yara et ses collègues révèlent la vérité au monde. Il a attaqué leur voiture près du village de Dabra. Yara est tombée martyre de la vérité et ses deux collègues, caméraman Osama Dayoub et Badr Awad, ont été blessés. Le ministre de l'Information, Omran Zabi, a salué le courage de Yara et ses collègues, ainsi que leur attachement à leur profession et leur sacrifice en faveur de la vérité en Syrie.